Invité du Live Télépro, Vincent Lagaffe, en promotion de son livre Je m'appelais Franck, n'a pas caché son envie d'animer une nouvelle émission de TF1 si la chaîne pense à lui. Actuellement en pleine promotion de son livre Je m'appelais Franck chez Exo Édition, Vincent Lagaffe était ce mardi 11 avril l'invité du Live Télépro de David Barbet. Face aux journalistes, l'animateur de 63 ans n'a pas caché son envie de reprendre une nouvelle émission de TF1 qui s'apprête à être diffusée très prochainement sur nos écrans. Ça m'intéresserait d'animer cette émission récemment, TF1 a acheté les droits de production d'un programme nommé La Yourte et diffusé sur la chaîne belge RTBF. Selon 20 minutes, ce programme se veut une télé-réalité à laquelle des célébrités passent en mode éco-responsable. Un concept quasi similaire à celui de la ferme célébrité mais qui semble avoir séduit Vincent Lagaffe qui s'est une porte volontaire, « je vais postuler », a-t-il assuré. Je vais leur dire que, s'ils ne sont pas contre le fait d'étudier la proposition, ça m'intéresserait d'animer cette émission. L'animateur ne cache pas son admiration pour les émissions d'aventure, depuis que j'ai fait ce bouquin, je me dis, tiens, il y a peut-être une case un peu plus humaine, un peu plus humanitaire qui s'ouvre. J'adore Mike Horn, j'adore Frédéric Lopez, j'aime Rendez-vous en Terre Inconnue. J'ai mis les défis de survie. Donc, je me dis, tiens, pourquoi ne pas faire un truc avec 5 ou 6 guests? Parce que, moi la vie d'aventurier je la connais. Dormir sur une yourte, je sais ce que c'est. Dormir dehors sous la pluie, je sais ce que c'est. Bouffer du serpent, je sais ce que c'est. Vincent Lagaffe trop ingérable pour TF1 malgré le gros carton du Big Deal dans les années 90 et 2000, Vincent Lagaffe a connu des rapports quelque peu mouvementés avec TF1, notamment à l'époque du tandem Patrick Lelay et Étienne Moujotte. Face à David Barbet, l'animateur de SOS Garage sur RMC Découverte est revenu sur un échange très musclé avec le regretté Patrick Lelay. Avec Patrick Lelay, on en est presque venu aux mains. C'était cache l'ambiance à TF1. Je me souviens d'avoir été tête contre tête avec Lelay. À partir du moment où tu me montres ce que tu me reproches, je vais t'écouter. Si tu viens m'expliquer des choses sur quelque chose que tu ne connais pas, alors je vais t'envoyer CH. Tu ne me fais pas perdre mon temps. Je ne suis pas ingérable. Pas un seul mec que le plateau du Big Deal ne peut vous dire que je suis ingérable, a-t-il exprimé. À lire aussi ne me fait pas de chier, Vincent Lagaffe répond cache aux rumeurs sur son comportement jugé ingérable dans les coulisses de ses émissions.